La nouvelle expérience utilisateur, c'est la suite logique de notre histoire. Nos collaborateurs recherchent une expérience équivalente à celle qu'ils peuvent rencontrer dans leur sphère privée. Une expérience qui allie à la fois modernité, autonomie, liberté d'interagir avec l'entreprise à tout moment. C'est une préoccupation assez forte chez nous, puisqu'une bonne partie de notre population est très mobile et est présente un petit peu partout dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc cette nouvelle expérience, elle répond bien à l'ensemble de ses besoins et l'ergonomie en plus. On le voit bien, c'est que pour relayer sa stratégie, une entreprise, elle se doit de proposer toujours des solutions RH modernes, adaptées aux collaborateurs d'aujourd'hui et de demain. Et je crois que c'est les deux caractéristiques fondamentales de cette nouvelle expérience collaborateur. C'est que tout d'abord, c'est un connecteur qui est disponible où je veux, quand je veux, comme je veux. Donc un connecteur qui me relie à mon entreprise. Et c'est surtout aussi, un deuxième point, c'est un catalyseur. Catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui permet une réaction, une interaction, en proposant un contenu riche, interactif, qui m'intéresse, moi, en tant que salarié. Un catalyseur, on parle, il y a d'autres catalyseurs dans les entreprises, ce sont les managers. Et donc, la transition est toute faite, Audrey, les managers en tout ça. Alors avec nos 50% de commerciaux sur le terrain, nos managers ont besoin d'interactions partout, parce que les équipes ne sont parfois pas sur le même continent, et ils ont besoin d'interactions tout le temps. Parce que nous sommes parfois sur des rythmes de travail complètement inversés. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, par exemple, travaillent quand nous, on dort. Nos managers ont bien sûr également besoin d'autonomie dans leur activité opérationnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être client pilote ? Alors, c'est tout simple. En fait, on tient beaucoup à notre image de RH agile, moderne et qui favorise justement une culture de l'innovation, parce que c'est vraiment le mode de fonctionnement de notre entreprise. Donc, c'est très important pour nous de ne pas créer des décalages entre la culture de l'entreprise et la DRH. Comment ça s'est passé le projet ? On parle de RACI, de DSI, de cadrage, de recettes et tutti quanti ? Non, pas du tout. Pas du tout. La mise en œuvre est assez simple. Le projet a démarré par une phase de personnalisation de l'interface. On choisit ce qu'on veut montrer. On adapte, que ce soit les images, les couleurs. On met du contenu, des notes d'information, des vidéos, le fil Twitter de l'entreprise, par exemple. On a d'abord testé sur une population un petit peu restreinte. On a procédé à quelques réglages après les retours des utilisateurs. Ça n'a pas nécessité d'accompagnement en particulier. L'interface, elle est assez simple d'utilisation, y compris pour l'administrateur. On le voit là, sur l'écran. Hein, oui, oui, oui. Donc, évidemment, ça s'est bien passé pour notre population jeune et habituée aux nouveaux usages, mais également pour les collaborateurs qui sont un petit peu moins agiles. Donc, c'est assez instinctif. Et compte tenu de nos contraintes de décalage horaire important, cette autonomie dans la prise en main de l'outil, elle est très importante lors de la phase de mise en place, justement. C'est-à-dire que ces écrans allégés, intuitifs, qui donnent envie, c'est essentiel. Il faut savoir que, par exemple, un cerveau humain se fait une idée d'une transaction positive ou négative en 50 millièmes de seconde. Donc ça, c'était capital. Et avec certains écrans paye, on avait un peu de mal. On a eu beaucoup de boulot pour réussir ça. Le deuxième point, c'est qu'au-delà de la forme, et comme dirait Victor Hugo, la forme, c'est du fond qui remonte. On met à disposition des transactions riches fonctionnellement, importantes et impactantes pour le collaborateur et le manager. Vous avez tous l'habitude, sur vos smartphones, avec vos applications Dropbox, Amazon, de petits bonus, de petites fonctionnalités qui viennent enrichir au fil de l'eau ces applications, et dont le déploiement est immédiat, facile, pas besoin de formation, pas besoin de thèse de non-régression. On est vraiment sur quelque chose de facile et qui s'enrichit au fil de l'eau et rapidement, même si vous, en tant qu'entreprise, êtes libre d'activer ou pas une fonctionnalité, bien évidemment. Très concrètement, on va mettre à disposition deux types. Hein. D'abord, des écrans, comme vous le voyez, un écran qui permet de visualiser facilement l'organigramme d'une entreprise. Chez ADP, où j'ai la chance de travailler dans une entreprise mondiale avec des organisations qui changent en permanence, des organisations géographiques, business, matricielles, pouvoir rapidement savoir avec qui je travaille, dans quelle organisation il appartient, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et la deuxième façon de faire, c'est des modules complets qu'on va mettre à disposition, comme le onboarding, qui vont vous permettre
d'encadrer l'arrivée d'un nouveau collaborateur alors qu'il n'est pas encore dans vos murs, en lui mettant par exemple un message de bienvenue, en lui permettant de signer vos chartes de sécurité, en lui permettant de savoir où sont ses collègues, où sont les locaux, le voisinage, ce qu'on appelle. Donc on voit vraiment que c'est une application qui va s'enrichir au fil du temps et qui je crois correspond pleinement à tout ce qu'on a discuté ce matin. ADP, on investit 700 millions de dollars dans la recherche et développement. Et aujourd'hui, ces interfaces, elles ont été largement testées et designées pour des collaborateurs. Et on a déployé à ce jour près de 70 000 clients aux USA et on a 700 000 utilisateurs sur ce type d'interface. Et notre volonté, c'est vraiment de les généraliser dans le prochain trimestre massivement en France et de les mettre à disposition de l'ensemble de nos clients. Effectivement, on est vraiment dans le « où je veux, quand je veux, comme je veux ». C'est-à-dire que je peux interagir avec mes collègues ou avec mon entreprise, comme on l'a vu dans la vidéo, dans le RER, enfin quand il marche. Quand je veux, c'est vraiment le « anywhere, anytime, any quoi ». Voilà, any ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et puis on a aussi parlé, et on le voit bien, de l'entreprise étendue. Hein, c'est-à-dire que là, ce module d'onboarding, effectivement, on est sur quelqu'un qui n'est pas encore salarié, qui va l'être, et on l'intègre déjà en avance de phase dans l'entreprise et on le permet de se préparer immédiatement pour être prêt et plus efficace dès le premier jour. Bah, effectivement, on veut mettre à disposition de l'ensemble des plateformes ADP cette nouvelle expérience collaborateur, car c'est fondamental, et c'est aussi la volonté de proposer une expérience cohérente et consistante pour l'ensemble des utilisateurs ADP, quelle que soit la plateforme qu'on leur propose aujourd'hui.